Yon le frago, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi nous allons visiter commune Port-au-Prince côté nous allons tout travail qu'a réalisé dans lancement pour saison cyclone ici en Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media now là veut remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police et qui Bombard Media now là, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir la notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a dérouler avec information. Yo, en ouais. Ministre travaux publics, transport et communication, Nadège Joazeïs visité mercredi 3 juin divers chantiers dans la commune Port-au-Prince. Ministre Joazeïs a regardé travail nettoyage dans zone canapé vert et l'autre travail qu'a fait dans la Réunion à Saint-Honoré. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps. Non, invite au suivre. Après visite li dans grand nord à grand cité ya, ministre des Joazeïs li met projeté à Colia dans département l'Ouest. Précisément dans la zone métropolitaine. Ingénieur de Joazeïs rend li dans canapé vert Ibuka qui gagne une ravine qui compte porter de l'eau et puis causer des dégâts. Pour porter solution, il y a un travail qui t'en met depuis 2 mois dans Ibuka. Nettoyer ça pour nous capable retirer l'emblée pour nous mettre des. Alors ça va nous finir. Là nous faisons de temps à vous mettre. Avec les ressources locales, on a de faire travail aujourd'hui à nous mettre en déploie. C'est ça, on a constaté là matin. L'eau, ça a gardé là, pour qu'on passe en surface. Depuis la semaine passée, l'eau n'a pas passé en surface, on peut passer en déploie. On est là, lui était pour faire gros œuvres. Ingénieur Adéjoacé, il se mandait mon nom Ibuka à zone sous-côté Lyo pour être tête prête. Puisque technicien TPTC est arrivé à connecter BIS qui a un problème, ça a permis de l'eau aller dans la route. Ibuka, ouais, qui est allié, son BIS métallique de 2 mètres qui passe 4 mètres en bas de sol, pour être à quelqu'un. L'embine est totalement rempli. Et c'est ça que fait chaque gros la pluie, nous avons eu tout problème ça, nous avons eu un bois patate. Je dis, à peu près 2 mois et demi, nous arrivons à connecter des bouchers à 75%, à 80%. Tout est toujours la donne pour nous, même si la pluie tombe, nous n'avons pas passé dans le bois patate sans problème. Et manifestation de jeune et nous et bon, la paix à blanc, il n'y a pas besoin de encore. Donc, nous avons une garantie. Maintenant, il n'y a pas besoin de l'État, il n'y a pas besoin de zone Nakbom, et besoin de Dissel, et Stamatlio. Donc, nous disons que nous avons contrôlé les premiers, mais pour nous arrêter, pour nous donner moyen, pour nous refaire d'allô. Ministre PTC a visité le travail qu'a fait, nous de la Réunion. Ça, nous fait la caniveau. Avec l'emblème, nous faisons avec matériel détail. Personnel détail, nous faisons vite. Mais en EBA, c'est contrat pour nous bailler. Parce que c'est un pile de travail pour nous acheter en EBA. Ça, c'est l'asphalte. Pour nous acheter, pour nous préparer le dossier, ça, pour qu'on puisse prendre 2 mois. Pour nous faire, parce que d'après mettre les yeux 35 ans, à terme, pas pour étaler. Ça fait un bateau étalène, si l'étalène l'a contaminé, il n'y a pas besoin encore parce que la machine a passé sur les corps. Donc, nous sommes obligés de faire logique contrat fini pour finir qui est contrat pour ne pas étaler sur 31 secondes pour nous faire faire. Après la réunion, le ministre BTC a pris une direction rue Saint-Honoré, côté des caniveaux, qui correspond à l'élargissement cap fait. Nous avons fait un pile d'efforts pour rapidement, d'ici 5 juin, pour nous commencer à faire cet asphalte qui gagne la donne. C'est un ou deux, mais en haut de l'asphalte, pour nous comprendre. Et pour nous, et le surpasser totalement le quadrilatère là, et toute route qui gagne un de quadrilatère ça, c'est-à-dire, parti Monseigneur Guillaume, parti Osvald Durand, tout le reste pour nous capables de réhabiliter, pour nous avoir un environnement à l'aise qui est très très belle avant l'entrée des classes. Travail au pas campé d'après les responsables de TBTC pendant le promettre et à renforcer la présence dans divers coins dans le pays.
10 détails sur comment travailler ou avancer dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Le ministre des Droits Civils, qui a parlé à responsable OFNAC et puis AAM, sans compter l'autre technicien qui travaille dans l'institution SAIO, mercredi 3 juin, tour de contrôle, a travaillé piste atterrissage là, dénominant discussion. Mon paquet de masse qu'il fait ensemble avec l'instance internationale pour agrandir l'aéroport. Notamment le travail qui fait avec BID, non seulement tout le contrôle là, qui va venir comme nous appelons bientôt, de l'administration qui va construire, et nous parlons ensemble de comment agrandir l'aéroport là, qui a à peine agrandi un montant de 25 millions de dollars, mais encore qui était capable de recevoir l'avion 4DE, et puisque le système ça est très dynamique, d'autres avions beaucoup plus grands et ça peut venir qui va nécessiter un aéroport d'une dimension de 4E. En plus, notre travail encore, bien plus fait, nous avons de la CIDI ensemble avec tous les représentants de la BID, la Banque mondiale, nous avons parlé de Gaëtan Yohans, nous avons parlé de l'ingénieur Léger, nous avons parlé de l'ingénieur Dumé Benito. Nous avons tous venus de la CIDI ensemble pour nous recommander tous les contrôles là. Agrandissement aéroport, construction, tactique, qui rapidité dans le cas de l'aéroport, fait rapidement. Directeur général Office national aviation civile, Olivier Jean, parlait des travaux qu'a fait dans le tour de contrôle, la construction de l'autre tour de contrôle, qu'a besoin de financement, bailleur international. Pour collaboration avec le ministère de l'Éducation, le mondial et sous la valeur de toutes les présentées pratiquement parce que c'est une bonne et nous représenter et la finale qui va faire ce fils à nous et le fils canadien et l'autre technique finalement au niveau du contrôle. Le système de soumis, que ce soit la adresse de tout le monde, et tout ça, ce serait une bonne première. Et nous n'avons pas une base avec les missions, et c'est aussi tout capable de faire pour le service de la France, le plus rapide possible. Et si c'est le système qui est capable de faire une et malgré tout, nous avons toute transparence pour accélérer le processus en dehors de si le travail ça a visé par les portes entre les pays et leur visage, toutes dispositions adoptées pour travailler à poursuivre dans le respect des normes internationales. Pas trop longtemps depuis que nous avons pris une façon de faire pour nous mettre aux normes. Aux normes prédit que 842,75 m. Recommandation monte fort pour catégorie à reconnaître la avion à poursuivre de 45 mètres. Le gouvernement est tenu compte pour avec un financement de BID, mettre la norme ça à 45 mètres. Donc tout le travail ça a été fait. En même temps, tout le travail pour le balisage sur le pistio qui était des découvertes, une technologie qui est récente. Maintenant, ce n'est pas seulement le travail ça qui gagne. Il y a deux travail de sécurité qui vous fait. Donc c'est dans ce sens-là, mais sans venir, le gouvernement a parlé tout à l'heure de air de sécurité d'extrémité de piste là. Qui nécessaire dans le point de piste, c'est que sur le terrain, ça, si un avion raté et un atterrissage ou bien un décollage, il veut quitter la piste là, il ne faut pas continuer à rouler sans que le pas crache, il va pas de défaillance, sans que soit capable de rouler jusqu'à l'arrêt. Représentant TPTC dans la Banque mondiale là, salue le travail qui est déjà réalisé dans l'aéroport international Toussaint Louverture et puis parler des démarches qu'a fait, qu'a permettre mettre l'argent entrer pour faire ce travail. Construction piste parallèle, construction USAE, c'est des projets qui sont financés par la Banque mondiale. Donc, l'UCE, c'est le bureau de subvention pour le projet ça. Alors que le bras technique de projet, c'est AAM à TPTC. Et je là pour jouer pour faire ce projet. Réhabilitation aéroport international Toussaint Louverture a joué un financement Banque mondiale pour un valet 84 millions de dollars américains. Sans compter comme BID, déjà décaissé dans le cadre de travail d'après les responsables. Tout ça fait dans l'idée pour des populations pendant la période urgence là. C'est habitants de la commune Luno, Couraille, Christelle, Fransa, qui bénéficient du support gouvernement à travers le premier dame de public là. Distribution ça fait dans l'idée pour des populations pendant la période urgence là.
Ces communes, Beaumont, Couillère, Pestel, Fassa, qui bénéficient si peu gouvernement à travers le premier dame de public là. Chaque bénéficiaire recevra un kit qui permet de capable manger pour plusieurs jours. Un geste à mettre en commun, ça y applaudit, d'après vous, qui a aidé pendant la période coronavirus là. Merci beaucoup. Ma prière, bon Dieu, pour lui, pour bon Dieu, toujours, pour Dieu, je suis là avec tout le monde qui pour lui. Je vous dis merci beaucoup. Si vous êtes comme ça, vous êtes baisé tout le pays à taper manger. Parce que pas taper de voyant pour nous gourmets qui pour ça nous pas jouer encore. Je suis bien content. Je dis madame, ni merci à toutes les mêmes, mais on sait le bagaille, je ne suis pas en zéro, elle t'a tourné encore pour me voter parce que je ne suis pas bien. Je vous dis merci en pile et quoi c'est acheter, je vais acheter crédit. Crédit. Je dis merci en pile pour bon Dieu conserver nous, pour bon Dieu voyager en haut, tout reste, ni nous-mêmes tout. Pour bon Dieu bonne force, bonne courage, pour bon nous toute force, courage, besoin, centaines de gens pour nous assez. Centaines de gens. Série distribution ça y est déjà touché toute commune dans le département de Gandasla. Dans une démarche, responsable en temps continue dans tout pays. Ça y est, gagner cachet, savon, couros, agroquité spéciale qui est capable de servir pour mettre de l'eau pour laver main. Distribution ça y est, dans la commune de Nou avec les Iwa, fait partie du travail, sensibilisation et prévention, gouvernement haïtien à travers le premier dame de public là, a mené pour freiner la propagation du coronavirus là. J'aime bien parler de pour nous parler de précaution, pour éviter, pour mettre cachet dans la bouche, pour pas prendre une maladie. Mais si vous n'avez pas invité à venir là, vous prenez depuis vous prenez à la tout là. Je suis bien content pour vous faire ça. Je vous remercie. Activité à moi, litre, profit, bon génieux pour vous prendre. Pour un côté de force maladie, pour vous prendre meilleur avec des maladies. Parce que c'est une proportion. Parce que moi, l'État a fait une série de gestes pour faire maladie à coronavirus. Parce que maladie a fait un pile travail. Même gens avec même population, autorité locale des communes Saïou, bat bravo pour l'initiative ça. On va demander initiateur pour ne pas camper à des masses ça qui aident en pile dans le travail pour éviter que le coronavirus arrive dans la commune. Merci parce que vous participez avec nous, vous collaborez, vous aidez la population parce que nous lançons la sensibilisation que nous faisons, nous deux trois bagages, nous disons machin ensemble. C'est laver les mains, respecter la distance sociale et puis cacher. Et nous avons deux. Dans le moment où nous avons fait laver les mains, faire respecter la distance, nous avons caché avec arriver cacher et bien pour les dames. Ça veut dire que nous avons fait nous. Je vous remercie encore pour les dames. Qui fait le devoir, qui commence à avoir une discussion de loi, qui est une population de l'État, parce que nous prenons des possibilités de nous faire des petits droits, nous prenons des traumas. Mais ça, nous recevons la justice, par rapport à ça, par rapport à la jeunesse, nous avons une grande différence. Nous espérons que nous allons nous plus toujours. Et ma première le président et le ministre qui ont un stop pour la collectivité et délégué, vice-délégué, nous avons un stock là, nous-mêmes, nous allons continuer à distribuer et à travers les communes, mais lundi commune, section communale, nous sommes en train de faire. Alors, c'est pour ça, on a marché à grand pas. Distribution matérielle sanitaire ça y est visé à accompagner les gens qui vivent dans une zone qui plus réquilée et qui plus n'a besoin d'après responsable. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.